Tac. Réglé sur mode manuel. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en direct à Thionville pour assister aux qualifications des moins de 18 championnats de France. On a un petit peu de retard sur le streaming. Et pour l'instant, le score est de parité 2-2 après 4 minutes de jeu ici au gymnase Jean-Pierre Adams. Donc les deux équipes, Samuel qui est avec moi au commentaire, il s'agit de l'équipe de Thionville et de Sarrebourg. Pour l'instant, place le ballon. Allez, Thionville en attaque. Joué. Il porte qui presse ce décalage. Ouais, marqué. Et but. But pour Thionville. Beau décalage, hein. Ouais, un but par le jeune gaucher du Pôle Espoir, Marc. Ça défend à 2-3, hein. Allez, pour l'instant, l'équipe de Sarrebourg qui fait tourner son ballon. Allez, ça va commencer à faire ce 1 contre 1. Bien pris, ce joueur, le numéro 6. Il faut bien lui empêcher sa relation avec le pivot et l'empêcher de tirer surtout. Elle n'était pas pressée, hein. Alors que le coach thionvillois, Charlie, était bien au courant de cette relation qu'il faut à tout prix couper au niveau des arrières. Alors Samuel, si tu as ton téléphone, tu devrais marquer sur Facebook que pour pouvoir voir ce match, il faut aller sur la page Facebook de Francfort. C'est la seule manière de pouvoir le voir en direct. Rien, disent les arbitres là-dessus. 3-3 au niveau du score, on joue depuis 6 minutes.
Sarrebourg qui a obtenu ce décalage sur le pivot et qui marque. On y est et pas Sarrebourg défense, joue constamment avec le pivot. Hein. Carton jaune pour Jimmy. Ouais, Jimmy Porte qui prend cet avertissement. Bon, je vais mettre les liens sur Facebook. Pour l'équipe de Thionville et 4 pour l'équipe de Sarrebourg. Entrée de marque. Et décalage. Non. Des défenses différentes. Hein. Sarrebourg qui défend 0-6. Et Thionville en 2-3. La faute sur le bras. 9 mètres. La rentrée à l'opposé. Il tord, pied. Perte de balle. Bien défendu. Marco et Marc confirment ensemble. Un jeu franc. Et ça joue constamment avec le pivot, hein, encore une fois. Et t'es à côté. Bien joué. Et l'arrêt. Arrêt, la relance, contre-attaque. La relance. Le Thionville a mené pour l'instant d'un but. Elle joue cette balle, non. Elle sort en touche. Thomas Café a intercepté le ballon, mais ça empêche la contre-attaque. Et à chaque fois, et ouais. À chaque fois, il y a une rentrée. Avec le pivot qu'il faut à tout prix arrêter. Et c'est Guillaume qui rentre. Ce pénalty. Fais à Tristan. Et arrêt Guillaume. Face à face remporté. Temps mort demandé par les locaux, l'équipe de Charlie. 3 à 4 au niveau du score pour l'instant. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur YouTube. Et vous allez pouvoir trouver tous ces liens sur les pages de Thionville Moselle Handball et la page du comité de Moselle de Handball. Il va y avoir une attaque thionvilloise pour revenir à égalité. C'est Julien qui rentre. Hein. Place de Maxence en pivot. C'est reparti. Allez, Thionville en attaque. On a fait une passe arrière-arrière. Essayez de faire bouger cette défense. Et avertissement au numéro 3 de Sarrebourg, Hugo Schindler. Sarrebourg qui évolue en rouge aujourd'hui. La faute sur le bras, encore une fois. Ouais, il est bien pris. Il faut dire qu'il aurait pu peut-être sans doute tirer un peu plus tôt plutôt que d'aller s'empaler jusqu'au 6 mètres. Parce qu'il a moyen de tirer 50 cm. En fait, Jimmy, la contre 1, il a défendu encore. Hein.
C'est costaud ouais. La 0-6 hein. La 0-6 ouais. Il faut des tireurs de loin pour bras élevé. Attention, le bras élevé. Faute. Il va falloir il tirer. Il va falloir tirer rapidement. Ouais. Et ça passe au-dessus. Il a pas d'élan pour tirer, jeu. Là. Pour l'instant, pas de solution. Il va falloir, je pense que Charlie a bien fait. Avec cette défense haute, il faut récupérer des ballons et marquer les buts en c'est montée Julien. De balle. Ce Julien qui va piquer chaque ballon lorsqu'on va dribbler devant lui. Et bien joué. Ouais, mais il faut à tout prix qu'il se mette devant le pivot, lui empêcher cette relation. Sinon, ça va être compliqué. Tire à la hanche. Ouais, beau tir à la hanche. Et ça fait deux buts d'avance pour Sarrebourg. 3 à 5, on joue depuis 11 minutes. Attention de ne pas prendre trop de buts de retard puisque les matchs sont courts. Elle marque le décalage. Et bien donné, dommage. Et bien donné à Jimmy. Et Jimmy est en zone d'après le corps arbitral. Ah, il ne siffle pas zone parce que. Si, il a sifflé zone. Si ça aurait été relance du gardien. Normalement, oui. Tant il a montré le pied dedans. Je pense qu'il a sifflé le pied de Jimmy. Ouais, voilà, il a failli intercepter Julien. Ah, oui. Les digues. Super de ballon. Heureusement, la faute est sifflée avant. 11 minutes 40 de jeu ici. Les deux équipes, Thionville en jaune contre Sarrebourg en rouge. Ouais. On n'est pas attentif en défense, hein, ça, ce ballon. On doit le récupérer à tout prix. La passe était téléphonée. Hein. Eh bien défendu la part de Julien. Attention, ça va shooter. Il y a le décalage. Hein. Et bel arrêt de la salle. Allez, faut jouer. Il faut revenir un but. Allez, Marc. Ouais, Marc. Beau tir, il a bien laissé le gardien refermer ses bras. Il est resté il a bien très pris longtemps le temps de fixer, en l'air. Hein. Ouais, il est resté très longtemps en l'air. Et puis il a pu conclure cette action. Et Thionville revient à un but. 4 à 5 après 12 minutes 27 de jeu. À la réalisation avec nous, Patrice, on le remercie. Et aux caméras, Jeff. Carton jaune pour Thomas. J'ai 7 mètres. Et Guillaume hein, qui a remporté ce premier face-à-face. Espérons. Le tireur a changé, c'est Chaf Adrien qui va s'en charger. Ouais, ce duel entre Adrien et Guillaume. Et là, cette fois, c'est remporté par Sarrebourg, ce duel 4 à 6. On joue depuis 13 minutes 10. Je crois qu'aujourd'hui, les matchs sont 2 fois 20, il me semble, d'après le règlement. Je ne sais plus. C'est ça, Patrice. Rentrée de Jimmy à l'opposé. C'est un décalage pour Thomas qui va donner la marque. Oh, il est en zone. Hein. Oh, dommage. Il s'en était sorti. Le jeune Thionvillois. Ouais, public qui gronde. Ça fait un peu vite. Hein. Parce qu'il n'y a pas de faute d'attaque. Allez, Thionville. Essayez de déséquilibrer cette défense. Bien joué. Oui, il est passé. Bien joué. Super. Et il marque. Femme de tir. 5 pour Thionville, 6 pour Sarrebourg. 14 minutes de jeu bientôt. Alors que Julien Lédigue pose toujours de problèmes en défendant un peu plus haut. Attention. Ah, il tire au côté, heureusement. Parce que la défense avait pris l'eau sur cette action. Ouais, comme d'habitude, hein, c'est trop simple pour Sarrebourg. C'est Axel qui a un poste de demi-centre. Ne pas perdre des balles juste comme ça. Et il va falloir attaquer le but à un moment donné. Martin, ouais, c'est bien ce Martin. Tir. Super. Martin, joueur qui vient d'éteindre. Rejoindre Thionville-Moselle Handball. En espérant que Thionville-Moselle Handball se qualifie
pour la prochaine saison en moins de 18 championnat de France. Pour cela, il va falloir gagner. Hein. 6-6 au niveau du score, on est revenu. C'est la première fois que les Thionvillois reviennent à la parité. Et c'est trop facile. À chaque fois, on arrive à trouver le pivot. Il faut absolument être face à cette relation. Oui, il faut à tout prix cette relation soit stoppée. Pourtant, Charlie était bien au courant. Non, il faut que les joueurs mettent ça en application. C'est Jimmy qui a provoqué. Ouais, et arrêt du gardien. C'était trop compliqué. Hein. Ouais, c'est peut-être un peu compliqué. On peut dire que le gardien, la semaine dernière, n'avait pas été très brillant du côté de Sarrebourg. Perte de balle. Il y a faute, c'est vrai. Il n'y a pas zone, mais il y a faute avant. 6-7 au niveau du score. Et on joue depuis 15 minutes 50. Et les pieds, ouais. Ouais, balle rendue au Thionvillois. Allez, allez, faut jouer. Attention, ouais, c'est perdu ça. Il faut faire attention à ces genres de balles. Ne pas les gâcher, surtout sur un match court au niveau du temps. Il faut ne rien gâcher, s'assurer que chaque balle arrive au fond. Malheureusement, avec la jeunesse, c'est pas toujours le cas. Il faut qu'ils apprennent encore. Et temps mort demandé par Sarrebourg. Merci de nous suivre en direct sur YouTube. Ici, nous sommes au gymnase Jean-Pierre Adams de Thionville. Et vous pouvez profiter pour la première fois de notre expérience de Web TV pour ces qualifications moins 18 vers le championnat de France entre Sarrebourg et Thionville pour ce premier match. Et tout à l'heure, nous retrouverons l'équipe de Dieulouard-Pont-à-Mousson. On va améliorer la défense parce que c'est ça qui nous fait défaut pour le moment. Cette relation arrière-pivot. Ouais, ce temps mort va sans doute faire profiter notre ami Charlie pour donner les consignes nécessaires. Je reçois pas mal de SMS qui me disent que c'est la classe, que l'image est impeccable, tant mieux. Je ne sais pas par contre au niveau du son si vous nous entendez correctement. C'est la question. Arrête Assad. Allez, il faut aller au fond avec cette action. Il a dû jouer de l'autre côté. Il y a une grosse faute là. Ah, il doit prendre un grosse faute d'anti-jeu. Ça peut être qu'il ne sanctionne pas. Parce qu'en plus c'est saturé, hein. Mais ça joue pas du tout le ballon. Il y a qui sera poste de jeu en induction. Le 1 contre 1 est gagné. Allez, Julien, faut s'en sortir. Il n'a pas eu les jambes pour se retourner, le jeune pivot. Égalisé. Jimmy qui rentre. Deuxième pivot. Allez, marque. Rentre entre deux et trois. Bien joué. On trouve Julien. Et Julien. Job correctement. Le gardien. 7 buts partout. Après 17 minutes 36 de jeu. Attention, Julien, de ne pas prendre des sanctions sur ce genre de faute. Julien reste sur ce 6. Défendu. Il est bien défendu sur le pivot. Bien joué. Et Marc. Oula. Et oui. 7 mètres et 2 minutes. Normalement. Voilà qui est fait. Il s'excuse. Le joueur, ce jeune Gaspard Insinger. Et 7 mètres pour Jimmy Porte. Que tous les voyants sont verts dans notre diffusion. Le son fonctionne très bien, l'image est de parfaite qualité. Tant mieux. Allez Jimmy. Eh oui. Et c'est la première fois que les Thionvillois passent devant. 8-7. 18 minutes 07 de jeu.
Sarrebourg qui sera de moins. Ouais. Il va falloir. Pour les deux dernières minutes. Que Julien défende en récupérant ses balles. Ils vont terminer la mi-temps à un de moins. C'est important ça. Bien défendu Axel, bien défendu. Et oui. Et voilà. Super bien défendu de la part de Tourvillois. Et oui. Et toujours ce tir à la hanche qui est très beau hein, ce tir. Oui. Le gardien, très très difficile pour lui d'arriver à attraper ses ballons. Masqué par la défense. Et un rebond en plus. Juste devant lui, 8 à 8, il reste 50 secondes dans cette première période pour la qualification. Jouer. Le décalage est fait. Et Jimmy. Le but 9 pour Thionville, 8 pour Sarrebourg. Allez, il reste 30 secondes. Il faut rester devant, hein. Bien 30 défendre. Secondes en supériorité numérique. Il faut à tout prix que Julien aille chercher. Cette faute qui va oui, permettre. Il faut pas hésiter à faire faute. Ouais, ouais, gentiment, proprement, mais ne pas les laisser jouer. Il faut fermer avec les copains. Ferme maintenant. Ah. Il reste 5 secondes. Hein. Il reste 5 secondes. Il y a cette caisse, le ballon par terre intelligemment. Il reste une seconde, ça va être direct. Se place intelligemment en mettant les plus grands secteur central et c'est contré. On va se quitter sur cette première mi-temps sur le score de 9 à 8 après 20 minutes de jeu et puis on se retrouve dans quelques minutes pour vivre ensemble sur YouTube et en direct cette deuxième période.
Allez, nous sommes de retour pour cette deuxième période à suivre toujours ensemble sur YouTube. Vous avez les liens sur le Facebook du Comité de Moselle, sur le Facebook de la page de Thionville Moselle Handball. Sarrebourg et Thionville, Sarrebourg en attaque pour cette deuxième période. Il revient à la faute. Hein. Oui. 9 pour l'instant pour Thionville, 8 pour Sarrebourg pour cette première période. Ah oui. Ouais. Beau tir. Tout en puissance. 9 à 9. On est reparti avec une barre arrière. Martin, Thomas et Marco. Jus en pivot. Équipe de Marco. 10 à 9. Jimmy et Marc dans les ailes. Et ça croise, ça croise, ça croise. Je pense que il faut à tout prix que, voilà, que Julien reste sur le. Il faut à tout prix que Julien reste sur le 6 hein, plus. On vient de voir que ça a encore essayé de jouer avec le pivot et là c'était bien défendu. Ouais, je pense que Charlie a recadré en disant qu'il faut à tout prix couper cette relation avec le pivot. C'est une priorité hein. Ouais, c'est une priorité. Trois quarts des buts sont dus à ça en première mi-temps. Et deuxième c'est tir à la hanche. On verra bien comment on va évaluer la défense thionvilloise. Tir contré. Allez, faut la récupérer, oui. Ah dommage. Non, dommage. Failli l'avoir, c'était bien jeté. Marc sur cette action. On joue depuis presque 2 minutes dans cette deuxième période. Attention. Oui. Il monte haut, hein, ce joueur, ce numéro 10, oui. Adrien Schaff. Puis la rapide. Là, il prend un avertissement justifié. Julien Lédig pour cette ceinture. Et la contre 1, bien défendu. Super bien défendu. Attention, il faut vite se replacer. Et oui, Julien, super. Eh. Eh oui, super Guillaume. La jeunesse. Tous les 2001. Pour toujours 10 pour Thionville et 9 pour Sarrebourg. Et Thionville en attaque. 2 minutes 48 de jeu. Je vous rappelle qu'on joue 2 fois 20 minutes et qu'on est en deuxième période pour ce premier match de qualification et que le gagnant de ce tournoi sera directement qualifié en championnat de France. Perte de balle à nouveau de Sarrebourg. Jimmy, homme d'expérience, ou jeune homme d'expérience on va dire, a tout de suite tardé à rejouer pour reprendre, pour permettre à ses camarades de reprendre le fil de l'eau. En cas de match nul, la première place se jouera au goal average. Cas de match nul, ouais, je pense sur le goal average du tournoi, j'ai pas le règlement. Bien joué, super. 11 pour Thionville, 9 pour Sarrebourg. Allez, c'est ce moment-là important du match, 3 minutes 33. Il faut montrer que au niveau défensif, on est là, on est présent et poser des problèmes au moins psychologiques à Sarrebourg. Oui, hein. Car on n'a pas de problème offensif, hein. Surtout en défense. Ah. Ah dommage, il avait touché cette balle, Guillaume. À 10 au niveau du score après 4 minutes, 4 bonnes minutes de et jeu. Julien qui s'est placé entre les deux. Et ah là là, ça se voit trop, ça se voit trop. Ouais, surtout la balle d'avant. C'est trop évident. On fait ça trop de fois et puis. 4 minutes 25 de jeu, 11 partout. Les Thionvillois qui avaient 2 buts d'avance et qui ont perdu 2 balles. Qu'ils ont, on peut le dire, hein, donné carrément à l'adversaire sur ces mauvaises passes. Et c'est ces phases-là qu'il faut à tout prix éliminer. Sparta qui se réveille et bien joué. Super, Marco. 12 à 11. Et c'est trop rapide. Et l'expérience. L'expérience du numéro 6 de Sarrebourg. Qui tire au-dessus exprès. Il obtient le 2 minutes de Julien Ludig.
Ouais, 2 minutes justifiées parce que Julien ceinturait quand même pas mal. Sûr. Déjà, peut-être même l'action d'avant, il aurait pu déjà être repris par la patrouille. Il ne l'a pas été. Donc, on peut dire que c'est amplement justifié. Et attention, parce qu'ils ont des tireurs dangereux à 9 mètres. Et ils vont défendre en 0-5. Il va falloir monter très très vite. Et le décalage trouvé. Et oui, Guillaume. Et l'arrêt. Bel arrêt de Guillaume. Ils n'ont pas des ailiers exceptionnels. Hein. Ah, il faut continuer à défendre. Attention à lui. Et oui, super. À la main, on arrive à ne pas se prendre de but. Il faut tenir le ballon. Parce qu'il y a 20 minutes. Tenir le ballon à un de moins. 5 minutes 35 de jeu. On n'est pas repéré à quelle période Julien Ledig était sorti. Je pense qu'une minute est déjà passée largement. Tandis que le public se réveille un petit peu. Et la rentrée de Jimmy Porte à opposé. Et voilà, faute. Bien joué. Faut pas se presser, faut pas prendre de risques. Là, il avait le décalage. Hein. Avec un arbitrage peut-être un peu... Eh oui, super. Ouais, quel beau tir. Super Marco. Encore une fois. Parce qu'ils ont tendance à défendre un petit poil en zone, quand même. Tant que ça fait but, on prend. Hein. 13 au niveau du score pour les Thionvillois et 11 pour Sarrebourg. Et oui, oh là 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 là, il est tout seul. Ah, toujours cette relation avec le pivot. C'est vraiment pas normal qu'on ne gagne pas cette combat de position en fait. Hein, parce qu'il faut simplement repasser toujours devant lui. Oui, bien sûr. Et surtout côté ballon. Et surtout quand on a de moins. Hein. Il faut défendre priorité au centre. Contre les corners. Corner. Oui, jet de coin. Les corners étant réservés au foot et les jets de coin au handball. On est complet hein, du côté de Thionville. Et on s'enferme toujours. Et bien joué. Super. Oh ah, il a trop tiré un rebond. Trop de pétrole. Cette action. Attention. Bien joué. Ouais, bel arrêt de Guillaume. Il est en zone, il est en zone. Bien sifflé. C'est bon. Allez, allez. Repartir. Bien joué, Marc. Super. Super. Ouais, beau tir pour finaliser. Super passe décisive de Marc et beau tir. De Jimmy, 14 à 12, on joue depuis 7 minutes 36 dans cette deuxième période. Ce match est le principal enjeu de l'après-midi pour les Thionvillois et les Sarrebourgeois d'ailleurs, qui s'étaient imposés et a pris la première place lors du premier tournoi de qualification. Et oui, et oui, Marc, allez, pour lequel, bien joué, super. Pour Jimmy encore une fois, ah là là, là il arrive, il y a zone, il y a zone. Ah, il est en zone. Et encore une fois, Marc. Au départ de l'action parce qu'il aurait mérité d'être décisive et décalage bien trouvé. Ouais, dommage que Guillaume s'est affaissé un peu trop tôt. Ouais. Il l'avait bien fixé en bas. 14 à 13. C'est bien dommage parce que la différence aurait pu être plus importante et on a gâché ces occasions. C'est Yannick qui rentre à la place de Jimmy à gauche. Hein. Yannick, le petit blond qui peut aller très 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 vite. Oui, qui a un très très beau tir de l'aile. Décalage de Yash. Avec sur peut-être lui. Cet exemple. Et oui. Et il marque son premier but. 15 à 13, 8 minutes 45 de jeu. Et Thionville qui garde cet avantage de 2 buts, hein, c'est important. Parce que le temps tourne à notre faveur. Et voilà, c'est bien. Julien, il faut être très actif. Oui. Personne ne monte dessus, ouais, même pas de contre. Dessus, il faut monter dessus, ce joueur est très dangereux. Ce gaucher, exceptionnel. Chaf Adrien. Il y a deux joueurs capables de tirer de loin dans cette équipe. C'est les numéros 6 et les numéros 10. Il faut vraiment, alors autant si Julien s'occupe du numéro 6, il faut quand même que ses partenaires s'occupent du jeune gaucher. Allez, de nouveau décalage. Il n'a pas été exploité cette fois-ci. Oh, la main à la tête. Ouais, la main à la tête. Et toujours pas de sanction. Hein. Ça commence à faire un peu beaucoup. Disons que les arbitres jugent que
il est allé un petit peu lui-même aussi au contact dans cette défense 0-6. Super, ouais. Marco qui est toujours énorme. Hein. Ouais, énorme sur ses shoots. Première fixation, le gardien part d'un côté. Et lorsque Thionville est dans, lorsque Thionville est en difficulté, il est toujours là pour y aller de son talent personnel. Allez, on joue depuis un peu plus de 10 minutes, 16 à 14 au niveau du score. Attention dans le dos. Hein. Bien, Marc. Il faut être attentif. Bonne défense. À ça. Hein. Il faut y être. Oh là là, la contrainte. Chaff. Oui. Et Guillaume ne s'est pas laissé prendre. Allez, pas précipiter. Et mettre cette balle au fond, alors qu'il va rester. Eh oui, super. Victor qui prend l'intervalle extérieur et qui tire près les poteaux. Et temps ça mort, fait plus 3. Temps mort demandé par l'entraîneur de Sarrebourg. Alors que le score est de 17 à 14. Peut-être un manque d'expérience sur l'attaque sarrebourgeoise. 3 buts d'avance pour les Thionvillois. Et il va rester 9 minutes à peu près. Un petit peu moins. 8 minutes 40 à jouer dans cette partie. Et chaque but compte énormément quand le temps est juste comme ça. On va en profiter pour se désaltérer un petit peu. C'est clair. Le jeu va bientôt reprendre. Cette attaque sarrebourgeoise. Hein. Oui. Ton truc là, t'as pas le logiciel de la Fédé qui coupe les cibles. En direct là. Elle est trop vite d'avance. Hein. De défendre. 10 minutes de jeu, 9 minutes maintenant. Voilà. Julien qui s'est fait oui. Attraper. Et super, Marc, super. Il faut qu'il y aille tout seul. J'ai Julien. Oui, Julien. Et il permet à Thionville de mener maintenant de 4 buts. Alors qu'il reste 9 minutes 20. Non, 8 minutes 40, pardon. Guillaume a laissé son premier poteau. Sarrebourg que je trouve quand même beaucoup plus fort que la semaine dernière sur ce qu'on avait vu chez eux. Ils sont beaucoup plus costauds. Et la motivation peut changer beaucoup de choses, hein, et oui. Et oui. Et un 2 minutes en plus pour le numéro 17. Yann Dredeni. Il est bien allé vers le but. Il reste maintenant un petit peu plus de 8 minutes, 8 minutes 05 exactement. Le public qui se réveille. Hein. Je ne sais pas si c'est la bonne solution de prendre et de laisser ces deux joueurs-là qui font quand même. La pluie et le beau temps du côté de Sarrebourg. Moi j'aurais plutôt opté pour le numéro 10 ou le numéro 6. Faisons confiance à Charlie. Ouais, faisons confiance, il a plus d'expérience. Et voilà, super. Jet de coin en faveur de Sarrebourg. En attendant, ce qui est très bien, c'est que le temps tourne. Et allez, oui, toujours ces tirs à hanche. C'est pas le même tireur. Mmh. Les gardiens ont vraiment beaucoup de mal avec ce genre de tir. 19 à 16. Le chrono va bientôt indiquer 13 minutes de jeu dans cette deuxième période. Voilà qui est fait. Il reste maintenant un petit peu moins de 7 minutes. Les Thionvillois
ont l'occasion de mettre un quatrième but d'avance. Il y a décalage, bien joué. Décalage. Oui, Marc, super. Toujours une superbe extension qui permet de fixer le gardien. Et le gardien qui s'énerve. 20 à 16. 4 buts d'avance pour les Thionvillois. Il reste 6 minutes 30 à jouer. Et voilà, le défenseur pivot. Ah, il faut être costaud en défense. Idéalement, il faudrait récupérer ce ballon. Et oui. Et oui, c'est pas le ballon. Et oui, en plus, on prend une sanction dans cette affaire. Et une sanction sur un joueur qui marque les buts en attaque. C'est vraiment dommage. 14e minute, plus 3. Et c'est maintenant les Thionvillois qui vont jouer. Qui vont jouer en infériorité numérique. Infériorité, puisque Sarrebourg est maintenant revenu au complet. On va jouer avec deux ailiers et deux arrières. Julien qui va rester pivot. Est-ce que Marc va rentrer pour jouer? Oui. Ce qu'il est en train de faire et va provoquer, c'est bien. Faute. 14 minutes 22 de jeu. Toujours Thionville en attaque. Attention. Bien joué. Ouais, il y avait peut-être une petite défense en zone, oui, quand même. Hein. Je pense aussi. On aurait peut-être pu jouer le décalage avec Yannick. 14 minutes 45 de jeu. Le bras est levé. Ouais, ouf. Allez, allez, allez. C'est pas énorme. Hein. 20 à 18. Plus que deux buts d'avance, alors que Thionville comptait il y a quelques minutes 4 buts d'avance. Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer. On est complet du côté de Thionville maintenant. Peut-être le décalage à gauche, bien joué. Super. Allez, Jimmy. Pour Jimmy. Oui, Jimmy. Ouais, bien tiré. Il permet à son équipe de remener de 3 buts. Attention, il faut être vigilant en défense tout de suite. Bonne bisou du jeu, hein. Là-dessus. Ah non, on n'est toujours pas complet, pardon. Ils ont simplement fait un changement de joueur. Toujours en infériorité numérique. Voilà. Beaucoup trop facile. Ouais, beaucoup trop facile. Pourquoi on ne prend pas ce pivot? Et on voit bien que Charlie s'énerve énormément à propos de cette histoire. Et parce que c'est toujours la même. Numéro 6, je ne dois pas rentrer dans la fête sans être attaqué. Hein. Puis, ouais, marché. C'est vrai. Ils vont venir. Bien défendu. Super. Ouais, bel arrêt derrière Young. Et c'est bien défendu. Hein. Bien défendu. Et l'arrêt très important. Alors qu'on s'est fait peur un petit peu sur le retour du ballon après l'arrêt. Étant mort demandé par Charlie. Début d'avance, il reste 3 minutes 30. Ouais. Il va falloir gérer cette attaque au mieux et surtout assurer de marquer ce troisième but. Heureusement qu'il y a des temps morts pour pouvoir se désaltérer. La suite, bien sûr, l'équipe de Pont-à-Mousson va rentrer en jeu le match d'après, mais je ne sais pas quelle équipe va jouer deux matchs. Je ne sais pas si tu sais, Patrice, non plus. Il me semble que c'est le perdant. Ah oui, c'est le perdant, d'accord. Il me semblait, hein. De toute façon, on verra bien. Hein. C'est 2-4 hein, pour Sarrebourg. Ouais, on a changé descendu tactique à 6 mètres pour essayer de récupérer la balle. Oui, super. Magnifique relation avec le pivot et magnifique prise de balle à une main.
qui a permis de faire la différence directement. 22-19. Plus 3, il va rester 3 minutes. Hein. C'est important. Trop facile. Ouais, le problème, c'est qu'on prend le but derrière. Trop vite. Vraiment, il leur faut 5 secondes pour marquer. Ça, c'est pas normal. Et attention, hein, parce que si Sarrebourg arrive à récupérer le ballon et à marquer tout de suite dans la foulée, ouais, il viendrait un but. Allez, restons positifs pour Thionville. Le décalage à droite. Et face à l'adversaire. Attention. Attention, Sarrebourg qui a la possibilité de revenir à un but. Il reste 2 minutes 50 interception. Trop facile. Faut jouer, il y a surnombre. Et oui, super. Julien, oui. Et oui, penalty. Il va obtenir même le 2 minutes. Super. Ouais, c'est bien parce que c'est bien pour l'équipe de Thionville puisque en fait il va le rester plus que 2 minutes 30 de jeu. Et donc on peut dire que Sarrebourg ne jouera que les 30 dernières secondes à égalité numérique. 17 minutes 24 de jeu pour le moment. Jimmy Porte qui fait son duel. Et très sur le Porte. Ça sent bon là, ça sent bon. Plus 3, 2 minutes 30. 3 buts d'avance, attention, ils vont jouer certainement rapidement au niveau de Sarrebourg. Pas hésiter à faire de faute. Hein. 2 minutes 30. Ouais, sans prendre de 2 minutes parce que ça va provoquer. Évidemment. Oui, ouais, Guillaume. Prendre le temps, prendre son bien. Temps. Faut prendre son très, temps. Très bien, oui, calmons-nous. Ça va le faire. Alors que cette balle peut être décisive. 17 minutes 54 de jeu pour l'instant. Pas. 18 minutes de jeu, il reste maintenant 2 minutes. Faut bien joué. Oui, super. Super. Ouais, la victoire thionvilloise. C'était bien joué intelligemment du côté de Marc, puisqu'il était en angle très très fermé. Heureusement qu'il avait le soutien de Jimmy Porte à l'opposé, à l'aile opposée, ce qui a permis de marquer quand même plus facilement. 18 minutes 24 de jeu, 4 buts d'avance. Dommage pour Sarrebourg, ils avaient réussi à faire la différence. Peut-être un petit marché du numéro 3. Ouais, ça c'est mieux défendu. Il faut à tout prix couper cette relation. Il reste 1 minute 15. On peut dire normalement que c'est gagné pour Thionville. Et voilà. Ah, dommage. Ouais, mauvais passe. On n'aurait pas dû la précipiter. C'est ce que Charlie reproche à son joueur. Là, il reste 58 secondes. De toute façon, ça ne changera rien. Les Thionvillois vont s'imposer sur ce premier match. Il est défendu. Il est en zone. Et il prend 2 minutes. Marc sur cette action. Il ne rentrera donc plus de ce match. Tandis qu'il dans une dizaine de secondes, Sarrebourg sera complet à nouveau. Il y a Assad qui va rentrer pour ce dernier jet de 7 mètres. Assad, encouragé par le public thionvillois pour faire cet arrêt sans doute plus déterminant puisqu'il reste une poignée de secondes et que Thionville a 4 buts d'avance, plus que 3 maintenant. 3 buts d'avance et il reste 40 secondes. Attention de ne pas perdre le ballon trop rapidement non plus, pas s'inquiéter. Ouais, oh là là là. Les arbitres sont gentils sur le coup là. Il reste 23 secondes. Et reprise de dribble. Sur le jeu sur la gauche et bien défendu de la part de Julien. Attention, tout de suite, ça va shooter. Ça va shooter, c'est sûr. C'est terminé. Il reste 4 secondes. Et voilà. Victoire de Chevillois. 24 buts à 21. Thionville qui remporte son premier duel pour les qualifications championnat de France.